Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et faut que nous regardions bien pour nous aider après l'an mon Jovenel. Pays à tout entier a passé. On misait à toi. Et pas oublier, président Jovenel, avant de mourir, il te dit, tu restes là, c'était pour le peuple là. Je ne veux dire, nous c'est pour même mot tirer ça, nous avons tout le président. Dans le moment où nous avons tout le président, nous avons tout le président, nous avons tiré ce peuple là. Nous avons prendre pour enrichir la tête. Pour toujours continuer à l'acheter Kaïsé nous-mêmes. Pour toujours continuer, jouer de l'argent, pour voyager de temps en temps, pour les millionnaires, ça que t'es pauvre, pour venir plus riche, et puis le peuple lui-même, il est dans le grand goût. Je dis, nous dit, faut qu'Ariel retourne sous décision, pris gaz là, pressé, pressé. Nous dit, faut qu'Ariel retourne sous décision, pris gaz là, pressé, pressé. Nous pas là pour nous négocier avec Ariel. Nous là pour nous dire Ariel en seule parole. Ou bien il retourne sous décision là, ou bien le pays a paralysé. Pas de rien qui vient là pour nous négocier avec eux sans et pas retourner sous décision. Au contraire, si bon la descend Gaza encore, il mette le pied bas toujours, le peuple a travaillé en souffle. Mais s'il va le mettre le pied bas toujours, mettez-le dans le niveau lié. J'ai le TEA, mettez-le la donne. Et nous avons un message clair. Par un nègre soi-disant Azam qui dit que c'est révolutionnaire. Nous dit, lorsque c'est révolutionnaire, il faut qu'on évolue d'abord. Si pas de évolution, pas de révolution. Nous disons, nous avons un nègre ça, nous marions à colique avec le système oligarque corrompu pour bloquer le pays. De temps en temps, nous négocions avec oligarque. De temps en temps, nous négocions avec l'État. Et puis, pays a, haïtien, peuple haïtien, même qui est dans la classe défavorisée, après aller en misère atroce. Nous dans la misère, nous dans le grand goût, nous pas qu'à payer l'école, nous pas qu'à manger. Je ne veux dire, nous dit, mouvement ça, où est là, c'est bon mouvement qui a sorti comme ça. À 6h, nous avons déplacé toute machine. Demain matin, la même gens. Tout temps, Ariel va retourner sous décision. Nous pensons que nous avons une réponse. C'est pas seulement pour Gaza, nous réponse, oui. Nous avons une réponse. Parce que ce n'est pas l'argent qui va nous faire nous bloquer là. C'est pas l'argent. Bon, même si on va avoir une machine, pour nous allons bloquer la caoutchouc. Nous allons bloquer la poche. Nous allons bloquer la bourrette. Si Ariel va retourner sous décision là, misère, c'est pour le peuple là. Et le peuple là, il faut qu'il réveille. Yeah. Nous-mêmes journalistes, il faut que nous fassions travail. Nous-mêmes policiers, comme moi, on a été un élément pour nous là, qui nous mouvement. Nous dit. Et les manoirs arrêtés là, c'est pour nous la boumer policiers. Moi, nous battons, nous maltraiter, nous à la velle. La gueule. Parce que le mouvement qu'a fait là, c'est pour nous. Pas de rance la donne. Si nous ne pas faire, on bagaille. Noble, dans le pays, nous toujours négocier. Passer en bataille, le pays ne va pas avancer. Je dis à nous prenons responsabilité. Mais masse défavorisée, sans âme, sans violence, nous prenons responsabilité. Pour Ariel, activité ça. C'est ensemble de nous, en Nandelma 60, avec quelques éléments nous gagnons dans la zone Pétionville. Gagnons un syndicat la donne. Gagnons moi-même David la donne, qui est président de la jeunesse Nouvelle Géo. Qui gagne un paquet de responsabilités en Nandelma 60. Nous disons, je dis, il faut que le peuple comprenne. Et il faut que nous nous étendions une équipe journaliste corrompue qui a mis barré nature avec un paquet de monde dans le pays. Pour me citer. Excusez-moi, nous prenons le journaliste. Mais pour nous citer, pour nous connaître, nous-mêmes, masse peuple, il y a des séries de journalistes qui vont faire avec nous. Donc, vous voulez dire, nous connaissons les gens qui vont faire avec nous. 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 Les journalistes qui aiment le pays, ils vont faire avec nous. Pour nous dire ça, on nous met. Ça fait longtemps que le gouvernement a un petit jeune.
mépriser peuple là, il pas dit parce que nous n'a diriger, c'est pas pour ou diriger, c'est pour moun qui vote yo, c'est pour yo a diriger. C'est ça on voulait là, c'est lui même pour faire. Majorité dirigeant haïtien yo, c'est tête par seulement ouais, en Haïti nous pas capable parler de politique. En Haïti, n'a pas garder là pas gain parti politique, pas gain dirigeant politique parce que définition par politique là, pas jamais gon dirigeant, pas jamais gon parti politique qui monte, qui fait exactement qui ça qui en rapport avec politique. C'est démagogie, c'est politique aérien qui a fait en Haïti. L'intéressant pour payer entièrement levé pour camper en face du gouvernement pour Gaza descendre pour payer directement. Même très adhéré, au contraire, je dis que ce n'est pas seulement ici, c'est tout pays entièrement qui doit camper pour Gaza descendre parce que le pays n'a pas qu'à faire ça. Parce que c'est une loi dans le pays qui dit que les Gaza montent. Yo doué sur le plan international, yo doué descendre et l'aile descendre d'où yo doué descendre. Yo pas jamais descendre, yo toujours vivre ou t'es lui-même. Faut payer à camper comme bagaille ça, faut l'avoir appliqué dans le pays ça à partir de ça. Moi pas wè qui problème qui gen là pour on l'état pas capable résoudre. Premièrement l'état pas de quitter problème nan rivé. Parce que qui ça n'a parlé? N'a parlé de monde qui gen zam nan mayo k'ap martyrison population. Première question posée, comment zam nan fait rivé nan men moun yo? Donc, premier rôle de l'État, c'était organiser l'espace physique, là, organiser la population hein, pour que les gens ne viennent pas tomber dans les mains ou les gens qui sont capables de faire la population mal avec elle. Et la méthode pour résoudre ça dans toute société existait. Est-ce que l'État contrôle les frontières? Est-ce que l'État contrôle les gens qui sont rentrés sur le territoire qui sont sortis? Est-ce que l'État contrôle les armes qui sont rentrées sur le territoire? Et monsieur yore les bandits, yore les parle, yore dit nous ça, yore dit nous yore pas sorti, yore pas commande des âmes. Effectivement, il y a des gens qui mettent des âmes dans le mur pour que ça l'État pas neutralisé les âmes. Mais dans les deux gens qui n'ont pas l'État, dernièrement, je suis allé dans le CNDDR, qui dit que yore dit président, qui moun kap achete des âmes illégales menées sur le territoire pays. Donc, le problème n'est pas bandit. Donc, c'est n'a pas cherché peut-être. De fausses solutions pour un problème qui lui-même qui faut. Ni problème n'en faut, ni solution en faut, parce que c'est mon qui était pour empêcher le fait, la cap qui était le fait. Maintenant, comme nous vivons une situation, nous avons un nouveau pouvoir. Nous pouvons dire si le pouvoir qu'il a, incompétent, incapable, pas contre ça pour le faire, ou bien si lui-même tout là tombé dans l'association de malfaiteurs avec bandits. Tant que nous ne pouvons pas répondre à une question, ça, si le pas dans l'association de malfaiteurs bandits, nous ne pouvons pas résoudre le problème comment, si c'est une solution armée ou bien une solution pacifique qui pour résoudre le problème. Non. Mais seul bagaille que nous du point de vue technique, parce que son problème ligue des solutions techniques. Maintenant, est-ce que mon qui est responsable a décidé au jour pour résoudre lui? Cela est toute la question. Premièrement, que mon qui responsable décide. Si vous décidez pour le faire, moi j'ai déjà dit au le premier ministre qui l'a atterri en position, moi dit mettez un collège de sécurité nationale. Parce que c'est pour un problème grand pile monde qui pensait c'est aller chercher monde qui gagne zam pour aller tomber tirer qui solution problème yo. C'est pas forcément ça. Et ou gen pile bagay ko ka fè pou capable neutraliser moun k ap itilize zam nan sans ko pa oblige non zam pa ka répondre question ça publiquement sans ko pa oblige tirer moun non pa oblige tuer moun non parce que gon côté n'a rive on côté nous même tout qui veut résoudre problème nan nous presse pour nous tourner des bandits tout parce que bandi a ki sa fè l'a chercher moun kidnappé pour kidnapper l'a chercher moun pour tuer. Nous même nous pensons pour nous résoudre le problème, il faut nous charger pour nous tuer. Donc finalement, c'est même ce que nous venons donner. Mais ça, c'est un facteur. Ce n'est pas comme ça que l'État résout un problème. Mais tout le problème, l'État doit résoudre. Je suis un officier de l'armée, je suis un militaire. Moi, nous, parce que son problème, il y a des solutions et plein de solutions techniques qui sont beaucoup plus simples que nous avons. Mais elle dit. Si je ne connais pas. Mais c'est parce que je me connais qui fait me dire. Non, ça ne se fait pas. Dans le métier, ça ne va pas faire ça. Dans le métier, ça ne va pas faire ça. Je ne vais pas parler ni de armes, ni d'équipement, ni de munitions, ni de monde effectif, ni de qualité d'entraînement. Seul ça me connaît, je connais, c'est un problème qui est techniquement capable de résoudre. Premier, ça pour gagner, il faut gagner une volonté politique
pour suspendre avec bagage ça. Et puis wap étonné ouais, ou pas même joindre monde pour aller dans tirer. Donc selon vous même autorité connaît ça pour vous faire. Yo pas forcément connaît, yo cap pas parler avec monde qui connaît ou yo cap peur. Yo cap peur parler à monde qui connaît yo pour pas dire ça pour vous faire après ça pour pas dire que yo te dit yo ça pour vous faire ou pas de faire. Donc selon donc ça, ou, premier problème là c'est volonté. Vous disponible pour vous? Yo ka parler ensemble avec vous mais ça n'a fait là et ça n'a fait oui c'est ça me fait toute vie moi a dit qui sac de fête mais que des bagailles moi parler de côté moi pas capable parler toute bagaille tout côté mais ça n'a parlé là moi parler déjà côté fête pour me parler. OK colonel Rebu, en pleine journée internationale violation alors droit de déclaration universelle des droits de l'homme comment dans quel degré ouais violation de respect droit nous en Haïti? Oui, en Haïti. Bon, premier droit un citoyen gagne, c'est droit au bonheur. Et pour gagner droit au bonheur là, faut gagner une pile condition matérielle. Après ça, on pile condition socio-psychologique. Condition matérielle, nous ne pas occuper nous de ça. Nous pas permettre nous que grand emploi. Nous pas organiser spatialement comme on comprend nous parler de monde qui vit village de Dieu. Comme on parle de monde qui vit dans cité soleil Jean Lia. Donc c'est pas des côtés où l'État a abandonné zone ça pour le faire parce que pas conscience que c'est de monde et que gain respect fait pour gain pour monde ça pas cap vivre dans condition à vivre là mais assez souvent qu'on voit ministre qu'on voit ambassadeur à faire photo dans zone yo sous pile camp et sous tête pile fatra pour cap dire y a pas des monde donc yo kembe fatra là après ça pour yo utiliser le comme moyen pour monde faire propagande politique ou bien pour régler affaire personnelle donc yo pas respecté monde et le premier problème en Haïti pour moi c'est la non reconnaissance de l'existence de l'autre monde qui côté même pas connaître son monde lié donc moi pas gain respect pour lui moi pas faire rien pour le cap vivre quand comme monde donc nous pas cap parler de respect droit monde en Haïti non droit à la vie qui c'est droit à la vie qui c'est un droit sacré jodi hein nous garder ni pas respecté au contraire ou plus gèlè gen impression ou gen et plus droit pour mourir que ou gen droit pour vivre nous situation qui a passé Matissan situation qui rive au niveau quartier populaire yo notamment dans Bel-Est et Soleil pendant année qui se passé yo côté gen plusieurs massacres qui fait en dans pays capable de témoigner ça et ben nous même en dans université a qui regroupé à travers Gototo mouvement ça qui c'est en campé qui gen là dans toutes 11 entités dans UEH là qui gen là dans toutes des universités privées mélangées avec organisation populaire et ben nous t'es jugé bon journée vendredi 10 décembre 2021 tant que j'aime dire qui marque 73e anniversaire déclaration universelle droit monde à ce que nous réfléchir et essayer à travers intervenants que nous gen yo proposer à l'État haïtien de bagailles concrets pour résoudre phénomène insécurité, ce phénomène qui tue, ce phénomène qui gorge la population haïtienne. Alors qui ensemble intervenant nous là? Bon, juste avant nous arriver dans intervenant, activité qui n'a pas réalisé à l'égard pour thème le droit à la sécurité en Haïti. Comme thématique, nous avons choisi de débattre autour de entre une solution armée et une solution pacifique. Quelles mesures a adoptées par l'État haïtien pour résoudre les phénomènes de l'insécurité, tant que j'aime ce jour-là, capturer les gens qui font la population après la mouille, parce qu'il n'est pas capable encore. Eh bien, nous avons des intervenants que nous choisissons, pas au hasard, nous choisissons deux personnes qui sont des spécialistes dans le domaine de sécurité, à savoir colonel Himmler Rebu, qui fait preuve lui, qui est capable de dire, en quelque sorte, comme ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, sous la présidence de M. Jocelyn Brivère, et nous avons gagné le professeur James Boyard, qui a enseigné au niveau INAGE et plusieurs autres facultés dans le pays, qui a une stratégie de 3C qu'il proposait à l'État haïtien pour résoudre le phénomène d'insécurité. Eh bien, c'est deux Mounsao, plus Mme Dubic, qui est analyste politique et professeur lui-même tout à l'université, pour proposer des bagailles concrètes qui capable de mettre fin avec phénomène ça que population a vivre là qui c'est insécurité là notamment la remontée spectaculaire du phénomène kidnapping qui de plus en plus se confirme comme une véritable entreprise mais non enregistrée auprès du ministère du commerce mais non enregistrée auprès de la DGI c'est-à-dire une entreprise qui n'a pas de patente. Peut-être si on tient patente, ça t'a facilité l'État rentrer plus l'argent. Mais je vous dis, c'est pas ça n'a pas assisté. Ces populations, en plus de travail, économiser petit cob pour l'acheter soit une petite voiture, pour le construire une petite maison. Et mais je vous dis, il est obligé de penser si on kidnappe, il est obligé de mettre un petit bail sur côté tout. C'est ça n'a pas assisté là. Et mais nous-mêmes qui sortis dans couche, monde qui pis mal, monde qui pis faible,
et c'est moun ça qui finance étude nous à travers taxes et impôts qui au bail l'état nous pas capable rester bois croisé nous pas capable rester indifférent encore moins non date aussi importante tant que date 10 décembre 2021 pas oublier c'était 10 décembre 1948 Nations Unies t'est adopté dans ensemble des droits à travers déclaration ça communément appelé déclaration universelle des droits. Qui côté en campé veut arriver? En campé côté en campé veut arriver tant que jeune toujours dit c'est accoucher bien-être peuple haïtien. Bien-être que nous perdu depuis pratiquement nous fin assassiné le père fondateur de cette nation, de cette belle nation. Malheureusement, ensemble monde qui succédé yo pas arrivé faire nous fier de nation ça. Mais Haïti son terre sacrée, son terre bénie. Jodi an nous-mêmes à travers l'université qui prend courage nous débois, nous croyons que n'a arrivé accoucher bien notre population, yon bien-être tant que j'aimerais me dire qui capturé, qui kidnappé par un petit groupe depuis l'assassinat crapulé du père fondateur de la nation, Jean-Jacques Duclos Dessalines. Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable d'entendre des informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne là. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babes à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Thank you.